ce sont les autres qui nous racontent une histoire parce qu'on n'a pas toujours une bibliothèque avec soi parce qu'il n'y a pas besoin de parce que pour lire. Bienvenue le jeu dit lecture, ça fait du bien. Dans cette émission consacrée donc à la lecture, nous allons à la rencontre des livres, des histoires et bien sûr de leurs auteurs et nous nous autorisons des promenades dans les bois du roman ou d'ailleurs selon la formule d'umberto eco car nous aimons aller là où il y a l'inattendu aujourd'hui nous parlerons nouvelles fables récits de voyages avec robert louis stevenson que tout le monde connaît si on ne le connaît pas il suffit de dire euh, l'île au trésor ou alors « L'étrange cas du docteur Jekyll et Mr Hyde », deux de ses plus célèbres romans. Mais ses œuvres à Stevenson sont bien plus nombreuses, saluées par des très grands écrivains qui se sont inspirés de lui, Alfred Jarry, Marcel Proust, André Gide, Nabokov, Borges, Italo Calvino, Georges Perec. Alors, qui est Robert Lewis Stevenson eh bien, il est né le 13 novembre 1850 à Édimbourg, euh, qui est la capitale de l'Écosse. C'est aussi euh, la patrie d'Harry Potter. Et vous voyez ici, en fond d'écran, euh, Victoria Street, qui est la rue du passage. Euh, dans la famille de Stevenson, il y a le grand-père, le père, les oncles. On est concepteur de phares. Et leurs travaux contribuent à la sécurisation du littoral écossais. Sa mère ne peut pas vraiment s'occuper de lui, il sera donc confié à des nourrices, dont la dernière, Alison Cunningham, surnommée Kemi, le marque profondément. En effet, souvent malade, l'humidité ne convient pas à ses poumons fragiles il fait régulièrement rhume, bronchite, pneumonie. Euh, il, il doit être sous surveillance, même si la famille déménage en 1857 dans une maison plus saine et plus confortable, le temps d'Édimbourg ne lui convient pas. La vie donc s'organise pour lui dans la maison, sous la responsabilité de la brave Camille, sa seconde mère, dit-il, sa première femme, l'ange de sa vie d'enfant. Il est nourri par elle de lectures diverses, comme les voyages du pèlerin de Bunyam, l'histoire de l'Écosse, et plus précisément celle des persécutions subies par les coven Covenanters, qui sont en fait les membres d'un important mouvement religieux et politique au XVIIe siècle, Un mouvement qui amorça une révolution embrasant l'Écosse, l'Angleterre et l'Irlande, appelée la guerre des Trois Royaumes. Et puis, il est bercé aussi dans les contes populaires, de, avec des fantômes, des revenants, et puis des récits d'aventure, bien évidemment. Dans cette retraite, à la maison, il n'est pas seul. Un jeune cousin, Bob, plus âgé que lui, de 3 ans, vient habiter chez eux. Ils sont compagnons de jeu, et d'histoire. Et puis, il passe aussi des périodes de cure chez son grand-père, à quelques kilomètres d'Édimbourg, où il retrouve cousin et cousine. Et puisqu'il ne peut pas aller à l'école... Sa, sa santé demeurant fragile, il accompagne ses parents, notamment lorsque sa mère tombe malade à son tour. Ils vont faire un périple à travers, euh, à travers la France. En 1863, s'installe à Menton. Louis euh, étudie avec un précepteur français. Puis ils vont voyager en Italie, reviennent par l'Allemagne, n'ayant absolument aucune envie d'intégrer l'école. Son père lui propose de l'accompagner à l'été 63 dans sa tournée d'inspection des phares. Après, malgré tout, un premier séjour en pension qui ne lui plaît pas, mais où il commence à écrire, Robert Louis rejoint à nouveau ses parents à Menton en octobre 1864. De retour en Écosse, il est inscrit dans une école pour enfants à problème. Il n'a Absolument aucun intérêt pour les études, il veut se consacrer à l'écriture. Il travaille à une pièce de théâtre inspirée de la vie de Deacon Brodie, qui est un célèbre voleur la nuit et honnête citoyen le jour, ça vous dit peut-être quelque chose. Nouvelle interruption de, de, de scolarité pour suivre sa mère en cure, et puis il commence la rédaction d'un roman en toile de fond, Le Soulèvement Covenantaire de 1666. À l'âge de 17 ans, il entre à l'université d'Édimbourg pour y préparer un diplôme d'ingénieur et suivre les voies de la famille. Mais il mène une vie dissolue, n'aspire qu'à devenir écrivain, change la, de, la graphie de son nom Lewis en Louis pour le franciser, abandonne en 1871 ses études d'ingénieur et se réoriente vers le droit, où il est reçu à l'examen du barreau en 1875. Mais il n'exercera jamais. En 1876, il voyage avec un ami en canoë sur les rivières du nord d'Anvers à Pontoise. Il en publiera le récit en 1878, mais c'est à l'été 1876 qu'il fait une rencontre décisive. Parti à Grèze, petite ou gré, je sais pas comment on prononce d'ailleurs, petite commune de Seine-et-Marne, pour y retrouver des amis un peu bohème, un peu artistes-peintres, il fait la connaissance de Fanny Osbourne, belle américaine de dix ans son aînée, artiste peintre, accompagnée par ses deux enfants, arrivant presque tout juste de Californie où elle a laissé son mari. Ils tombent amoureux. Ils se retrouvent un an plus tard, mais Fanny n'est pas divorcée. Elle doit retourner en Californie et le père de Stevenson le menace de lui couper les vivres. Après donc le départ de Fanny, il ressent le besoin de voyager, de s'isoler, d'oublier d'oublier Fanny, et euh, son choix se porte alors sur le midi de la France, car ce serait pour lui l'occasion de découvrir le théâtre de la guerre des Camisards, qu'il voit comme des coventenaires de, du midi. Voilà. Mais aussi en tant qu'admirateur de George Sand, dont l'une des œuvres place l'intrigue dans le velay, il voit ici une occasion de marcher sur ses pas. Il s'arrête donc dans un petit village, euh, monastier où il s'installe faisant alentour quelques excursions et réalisant des croquis euh, quand, quand tout à coup lui vient l'idée en fait d'entreprendre un, un voyage à pied dont il fera le récit et qui lui rapportera quelque argent. Nous voici donc après un périple en kayak une... l'organisateur d'une descente euh, à travers le midi de la France euh, dont vous voyez ici euh, sur la carte le parcours qui fait l'objet aujourd'hui du GR70. Euh, donc il va traverser le pays de Velay, le pays euh, du, euh, du Gévaudan, euh, pour arriver à Alès, que vous ne voyez pas sur, euh, sur la carte ici. Et, et c'est cette histoire que je vais vous lire, en tout cas le début de ce périple où l'on découvre comment, euh, comment euh, Stevenson acquiert un, un, un âne et comment il se fabrique ou il se fait fabriquer un euh, duvet. Euh, voici donc euh, Stevenson, l'Alphonse Dodet écossais, euh, qui parcourt les Cévennes françaises et qui nous apprend le, euh, le camping. Voilà, je retrouve le texte, il est sur mon ordinateur. Voilà, il est là. Texte donc publié en 1879. Et pour effectivement euh, oublier la belle Fanny et marcher sur les traces de Georges Sand. En dédicace, il écrit... Le voyage que raconte ce petit livre me fut très agréable et avantageux. Après un début singulier, j'ai eu meilleure chance à la fin. Mais nous sommes tous des voyageurs dans ce que John Bunyan nomme le désert de ce monde. Souvenez-vous, John Bunyan, sa nourrice, Kemi, lui en avait lu des extraits, certainement euh, l'intégralité du voyage. Euh, des voyageurs avec un âne, et ce que nous trouvons le meilleur en route, c'est un loyal ami. Bienheureux, le voyageur qui en trouve plusieurs. Nous courons le monde, en fait, pour les rencontrer. Ils sont le but et la récompense de la vie. Ils nous gardent dignes de nous-mêmes. Et lorsque nous sommes seuls, nous sommes simplement plus près de l'absent. Velay, nos premier chapitre, le bourriquet, la charge et le bas. Dans une petite localité nommée le monastier, Sise, en une agréable vallée de la montagne à quinze milles du puits j'ai passé environ un mois de journées délicieuses le monastier est fameux par la fabrication des dentelles par l'ivronnerie, par la liberté des propos et les dissensions politiques sans égale il y a dans cette bourgade des tenants des quatre partis qui divisent la france légitimistes orléanistes impérialistes et Républicains et tous se haïssent, détestent, dénigrent et calomnient ré réciproquement, sauf quand il s'agit de traiter ou une affaire ou de se donner les uns aux autres des démentis dans les disputes de cabaret. On y ignore jusqu'à la politesse de la parole. C'est une vraie Pologne montagnarde. Au milieu de cette Babylone, je me suis vu comme un point de ralliement, chacun avait à cœur d'être aimable et utile pour un étranger, cela n'était pas dû simplement à l'hospitalité naturelle des montagnards, ni même à l'étonnement qu'on y avait de voir vivre de son plein gré au monastier un homme qui aurait pu tout aussi bien habiter en n'importe quel autre endroit du vaste monde, cela tenait pour une grande part à mon projet d'excursionner vers le sud à travers les Cévennes. Un touriste de mon genre était jusqu'alors chose inouïe dans cette région. On m'y considérait avec une piété dédaigneuse, comme un individu qui aurait décidé un voyage dans la Lune. Toutefois, non sans un intérêt déférent comme envers quelqu'un en partant vers le pôle inclément, chacun était disposé à m'aider dans mes préparatifs. Une foule de sympathisants m'appuyait au moment critique d'un marché, je ne faisais plus un pas qui ne fût illustré par une tournée de shopping et célébré par un dîner ou par un déjeuner. On était déjà la veille d'octobre, que je n'étais pas encore prêt à partir. Pourtant, aux altitudes où conduisait ma route, il n'y avait pas lieu d'escompter un été indien. J'avais résolu, sinon de camper dehors, du moins d'avoir à ma disposition les moyens de le faire. Rien n'est, en effet, plus fastidieux pour un type débonnaire que la nécessité d'atteindre un refuge dès que vient la brume. Au surplus, l'hospitalité d'une auberge de village n'est point toujours une infaillible recommandation à qui chemine péniblement à pied, une tente, surtout pour un touriste solitaire, ne laisse point d'être ennuyeuse à dresser, ennuyeuse encore à démonter, et, et même durant la marche, elle fournit un évident aspect particulier au bagage. Un sac de couchage, par contre, est toujours prêt. Il suffit de s'y insinuer. Il sert à double fin de lit pendant la nuit, de valises pendant le jour, et il ne dénonce pas à tout passant curieux vos intentions de coucher dehors. C'est là un point important. Si un campement n'est pas secret, ce n'est qu'un endroit de repos illusoire. On devient un homme public. Le paysan sociable visite votre chevet après un souper hâtif, et vous voilà dans l'obligation de dormir un œil ouvert et de vous lever avant l'aube. Je me décidai pour un sac de couchage, et après maintes recherches au puits et pas mal de dépenses culinaires pour moi-même et mes conseillers, un sac à viande fut dessiné, bâti et apporté chez moi en triomphe. L'enfant de mon invention avait quasiment un six pieds carrés, outre deux flanquets triangulaires pour servir d'oreiller la nuit et de couvercle et de poche le jour à ce sac. Je l'appelle sac, mais ce ne fut jamais un sac que par euphémisme. C'était tellement une sorte de long rouleau ou saucisson en bâche verte imperméable à l'extérieur et en fourrure de mouton bleu à l'intérieur, commode comme valise, sec et chaud comme lit, chambre à coucher spacieuse pour une seule personne et à la rigueur pouvant servir pour deux je pouvais m'y enfoncer jusqu'au cou. Et vous voyez le sac ici. Car en ma tête, je la confiais à une casquette en poil de lapin munie d'un rebord à rabattre sur les oreilles et d'un cordon à passer sous le nez en, matière, en manière de respirateur. En cas de pluie sérieuse, je me proposais de me fabriquer moi-même une menu tente, ou plutôt un temps de lait. Au moyen de mon waterproof, de trois pierres et une branche inclinée. On comprendra sans peine que je ne pouvais porter cette énorme attirail sur mes propres épaules, euh, simplement humaines. Restait à choisir une bête de somme. Or, un cheval est d'entre les animaux, comme une jolie femme, capricieux, peureux, difficile sur la nourriture et de santé fragile. Il est de trop grande valeur et trop indocile pour être abandonné à lui-même, en sorte que vous voilà arrivé à votre monture comme à un compagnon de chaîne sur une galère. Un chemin difficultueux affole le cheval, bref, c'est un allié exigeant et incertain qui ajoute sans complication aux embarras du voyageur. Ce qu'il me fallait, c'était un être peu coûteux. Point encombrant, endurci, d'un tempérament calme et placide. Toutes ces conditions requises désignaient un baudet. Habitait au monastier un vieillard, d'intelligence plutôt médiocre, selon certains, que poursuivait la marmaille des rues et connu à la ronde sous le nom de Père Adam. Or, Père Adam avait une carriole et, pour la tirer, une chétive ânesse. Pas beaucoup plus grosse qu'un chien, de la couleur d'une souris, avec un regard plein de bonté et une mâchoire inférieure bien dessinée. Il y avait autour de la coquine quelque chose de simple, de racé, une élégance puritaine qui frappa aussitôt mon imagination. Notre première rencontre eut lieu sur la place du Marché au monastier, afin de prouver son excellente humeur les enfants à tour de rôle s'installèrent sur son dos pour une promenade et l'un après l'autre, tête première, pirouettèrent en l'air jusqu'à ce que le manque de confiance commença de régner au cœur de cette jeunesse et que l'épreuve, c'est sa faute de concurrent. J'étais déjà soutenu par une députation de mes amis, mais comme si cela ne suffisait pas, tous les acheteurs et vendeurs m'entourèrent et m'aidèrent au marchandage. La Ness et moi. Et Père Adam devint me le centre d'un vrai brouhaha pendant presque une demi-heure. Enfin, la bête me fut cédée à raison de soixante-cinq francs et d'un verre d'eau de vie. Le sac avait déjà coûté quatre-vingts francs et deux verres de bière, de sorte que Modestine, ainsi la pâtissais je sur le champ, était, tout compte fait, l'article le meilleur marché. En vérité... Il en devait être ainsi, car la n'était qu'un accessoire de maliterie ou un bois de lit automatique sur quatre pieds. J'eus une dernière entrevue avec le père Adam dans une salle de billard, à l'heure ensorcelante de l'Aurore, lorsque je lui administrai l'eau de vie. Il se déclara fort ému par la séparation et affirma qu'il avait souvent acheté du pain blanc pour son bourriquet, alors qu'il s'était contenté de pain bi pour lui-même. Mais ceci. À s'en référer aux meilleures autorités, devait être un écart d'imagination. Il était réputé en ville pour maltraiter brutalement le bodet. Pourtant, il est certain qu'il versa une larme et que la larme traça un sillon propre jusqu'au bas d'une joue. Sur le conseil d'un fallacieux bourlier de l'endroit, une sellette en cuir me fut fabriquée, munie de courroies afin d'attacher mon pactage, et pensif, J'achevais mon équipement et disposai mon trousseau. En matière d'armes et de batteries de cuisine, je pris un revolver, une petite lampe à alcool et une poêle, une lanterne et quelques chandelles d'un sou, un couteau de poche et une large gourde en peau. Le principal chargement consistait en deux assortiments complets de vêtements de rechange, outre mes habits de voyage en velours campagnard, mon paletot de marin et un chandail en tricot. Quelques livres, euh, ma couverture de voyage, qui elle aussi en forme de sac me faisait double enveloppe pour les nuits froides. La réserve permanente était représentée par des plaquettes de chocolat et des boîtes de saucisses boulonnaises. Enfin, tout cela, à l'exception de ce que je portais sur moi, fut facilement entassé dans le sac en peau de mouton et... Par une heureuse inspiration, j'y ajoutai mon havre sac vide, plutôt par commodité de portage que dans la pensée qu'il pourrait m'être nécessaire au cours de mon voyage. Pour les besoins les plus pressants, je pris un gigot froid de mouton, une bouteille de lait et une provision importante de pain bi et blanc comme père Adam, pour moi-même et le Bodet. Toutefois, dans mon projet, la destination de ces derniers objets était inverse. Les gens du monastier, de toutes nuances d'opinion politique, s'accordèrent pour me prédire maintes mésaventures grotesques et me menaçaient de mort subite dans des conditions extravagantes, sur froid, loups, voleurs, et par-dessus tout les mauvais tours de la nuit étaient quotidiennement et éloquemment appelés mon attention. Pourtant, dans ces vaticinations, on négligeait l'évidence. Le véritable danger, comme chrétien, c'est de mon bagage que j'ai eu à souffrir en chemin. Avant de raconter mes malchances personnelles, que l'on me permette de dire en peu de mots la leçon de mon expérience. Si le pactage est bien attaché par des courroies aux extrémités et pans à pleine longueur, pas replié en deux, mon Dieu, à travers la selle le bas, le voyageur n'a rien à craindre. La selle de bas pourra certes n'être point ajustée, telle est l'imperfection de notre vie éphémère, elle pourra assurément glisser et tendre à se renverser mais il y a des pierres de chaque côté d'une route, et on apprend bientôt l'art de corriger n'importe quel penchant au déséquilibre au moyen d'un caillou bien placé. Le jour de mon départ, j'étais debout, un peu après cinq heures, vers six heures nous commençâmes à charger le baudet et dix minutes plus tard mes espérances gisaient dans la poussière. Le bas ne prétendait pas tenir sur le dos de Modestine même une demi minute. Je le renvoyai à son fabricant avec lequel j'eus une prise de bec tellement injurieuse que le trottoir de la rue était garni, de nous à vous, d'une foule de badauds qui regardaient et écoutaient, le bas changea de main avec beaucoup de vivacité. Peut-être serait-il plus exact de dire que nous nous le jetâmes réciproquement à la tête. En tout cas, étions-nous fort échauffés et inamicaux et parlions-nous avec une excessive liberté. J'obtins une banale, celle de bas, une barde, comme on dit, qui convenait à modestine, et une fois de plus, je la chargeais de mon attirail. Le sac replié, mon paletot marin, car il faisait chaud, J'allais marcher en vareuse, une longue miche de pain noir et un panier sans couvercle qui renfermait le pain blanc. Le gigot de mouton et les bouteilles furent accrochées ensemble par une série de nœuds fort perfectionnés, et j'en examinai le résultat avec une vaine satisfaction. Dans un monstrueux chargement de ce genre, le fardeau entier portait sur l'encolure du baudet, et rien en dessous ne faisant contrepoids sur un bas aux sangles neuves, n'avait jamais servi à l'équipement de l'animal, accroché au surplus par des courroies neuves aussi qu'on pouvait s'attendre à voir s'élargir et se distendre pendant la route, même le touriste le plus insoucieux aurait pressenti une catastrophe imminente. Ce système perfectionné de nœuds au surplus était l'œuvre de trop nombreux sympathisants pour être réalisé fort habilement. Il est vrai qu'ils avaient serré les cordes énergiquement, pas moins de trois à la fois, un pied sur l'arrière-train de Modestine, ils tirèrent là-dessus, grinçant des dents. Or, j'appris par la suite qu'une seule personne entendue, sans le moindre déploiement de force, pouvait faire plus efficace besogne qu'une demi-douzaine de domestiques enthousiastes et en transpiration. Mais je n'étais alors qu'un novice, même après la mésaventure du bas. Rien ne pouvait troubler ma confiance et je franchis le seuil de l'écurie comme un bœuf se dirige à l'abattoir. Deuxième partie. La cloche. l'année inexpérimentée, inexpérimenté, in in donc je poursuis un tout petit peu. La cloche du monastier sonnait juste neuf heures lorsque j'en eus terminé avec ces ennuis préliminaires et descendis la colline à travers les prés communaux. Aussi longtemps que je demeurais en vue des fenêtres, un secret amour-propre et la peur de quelque défaite ridicule me retinrent de sourdes menées contre Modestine. Elle avançait d'un pas trébuchant sur ses quatre petits sabots avec une sobre délicatesse d'allure. De temps en temps, elle secouait les oreilles ou la queue et elle paraissait si menue sous la charge qu'elle m'inspirait des craintes. Nous traversâmes le guet sans difficulté. Il n'y avait aucun doute à ce sujet, elle était la docilité même. Puis, une fois sur l'autre bord, où la route commence son ascension à travers les bois de pins, je pris dans la main droite l'impie bâton du commandement, et, avec une vigueur tremblante, j'en fis application au baudet. Modestine activa sa marche pendant peut-être trois enjambées, puis retomba dans son premier menuet. Un autre coup eut le même résultat et, et aussi le troisième. Je suis digne du nom d'anglais et c'est violenter ma conscience que de porter rudement la main sur une personne du sexe. Je cessai donc et j'examinai la bête de la tête aux pieds. Les pauvres genoux de l'ânesse tremblaient et sa respiration était pénible. De toute évidence, elle ne pouvait marcher plus vite sur une colline. Dieu m'interdit, pensais-je, de brutaliser cette innocente créature, qu'elle aille de son pas et que je la suive patiemment. Ce qu'était cette allure, aucune phrase ne serait capable de la décrire. C'était quelque chose de beaucoup plus lent qu'une marche, lorsque la marche est plus lente qu'une promenade. Elle me retenait chaque pied en suspens pendant un temps incroyablement long en cinq minutes elle épuisait le courage et provoquait une irritation dans tous les muscles de la jambe et pourtant il me fallait me garder tout à proximité de l'âne et mesurer mon avance exactement sur la sienne si en effet je ralentissais de quelques mètres à l'arrière ou si je la devançais de quelques mètres modestine s'arrêtait aussitôt et se mettait à brouter L'idée que ce manège pouvait durer ainsi jusqu'à allais me brisait quasiment le cœur de tous les voyages imaginables. celui-ci promettait d'être fastidieux. Je m'efforçais de me répéter qu'il faisait une journée délicieuse. Je m'efforçais d'exorciser en fumant mes fameux présages. Mais la vision me restait sans cesse présente de longues, longues routes au sommet des monts ou au creux des vallées où deux êtres se mouvaient d'une façon infinitésimale, pied à pied, un mètre à la minute et comme les fantômes ensorcelés d'un cauchemar sans se rapprocher jamais du terme. Voilà pour euh, cette lecture du euh, du voyage. Avec un âne à travers les Cévennes de, de Stevenson. Donc, euh, on a l'ambiance du, du midi de la France. Euh, Stevenson appelait ça les Highlands françaises. Euh, je vous laisse découvrir la suite. Vous trouvez facilement euh, ce, cet ouvrage sur Internet. Il est en libre accès. Euh, donc, vous pouvez euh, en profiter et n'hésitez pas à continuer cette, cette lecture. Je vais rebondir euh, sur, euh, sur Stevenson, sur une autre lecture. S'affiche ici euh, le décor extrait du film euh, L'île au trésor. Euh, Stevenson a aussi écrit des fables, donc pas que des récits de voyage, et vous voyez. Il invente lui-même euh, le sac de couchage. Il a écrit des, des fables euh, parce que c'est un amoureux de des récits courts. Euh, ses premières nouvelles, il les a écrites adolescent euh, en 1864. Euh, ces nouvelles sont réunies dans un, dans deux tomes euh, intégral euh, des nouvelles de Stevenson chez euh, Libretto. Euh, la première nouvelle euh, qu'il a écrite euh, a, pour titre, euh, a, pour titre, a pour titre La cave pestiférée, euh, date de 1864. Les autres nouvelles datent plutôt des années 1870-1880. Et puis, ces fables, c'est un ensemble de nouvelles qu'il euh, qu a composées tout au long de sa vie, qui ont été réunies à sa mort sous le titre de fables qui... Ont cette correspondance avec les, avec les fables, euh... même si Stevenson avoue que la forme classique, celle définie par La Fontaine dans sa préface aux fables, l'apologue écrit-il est composé de deux parties, on peut appeler l'une le corps, l'autre l'âme, le corps et la fable, l'âme la moralité, n'existe plus à son époque. La morale est incluse dans le corps, ce changement se fait sans toucher à la structure générale, l'essentiel de la fable repose sur la brièveté, mais les cartes sont brouillées et il renvoie au lecteur la responsabilité de résoudre le sentiment vague, troublant et pas entièrement moral qui a été créé. La fable n'a donc plus d'effet didactique. Elle crée un chaos qui invite le lecteur à relire pour tenter d'identifier cet effet. Je vais vous en lire une, la première, qui est en lien avec euh, L'île au trésor. Stevenson est un narrateur hors pair, mais ici c'est un dialogue, comme au théâtre, entre Long John Silver et le capitaine Smollett. Dialogue surprenant, absurde puisque nous ne sommes pas là dans l'île au trésor, mais à la marge du livre. Les personnages sont sortis prendre l'air. Cette fable a pour titre les personnages du récit. À la fin du 32e chapitre de l'île au trésor, deux des marionnettes qui étaient sortis fumer une pipe avant que l'histoire ne reprenne, se retrouvèrent dans une clairière non loin du théâtre des événements. Bonjour, capitaine, dit le premier avec un salut martial et une mine radieuse. Ah. Silver, gagna, grogna l'autre. Tu files un mauvais coton, Silver. Voyons, capitaine Smollett, protesta celui ci. Le, le service, c'est le service. Nul ne le sait mieux que moi, mais nous ne sommes pas en service en ce moment, et je ne sais pas pourquoi, il nous faudrait maintenir une apparence de moralité. Tu es un fief co coquin, Silver, dit le capitaine. Allons, capitaine, allons, soyons justes, repartit l'autre. Il n'y a pas de quoi vous mettre en colère pour de bon. Je ne suis qu'un personnage dans une histoire de marin. Je n'existe pas vraiment. Eh bien, moi non plus, je n'existe pas vraiment, dit le capitaine, nous sommes donc titres. Je ne sais pas ce que peut être un sujet de dispute pour un honnête homme, répondit Silver, mais je suis le méchant de la fable. Ça oui. Et puisque nous sommes entre marins, dites moi un peu qu'est ce que ça peut bien faire. N'a t-on jamais appris ton catéchisme? dit le capitaine. Ne sais tu pas ce que c'est qu'un auteur? Un auteur? auteur répéta l'autre, d'un ton moqueur. Qui pourrait le savoir mieux que moi, car si l'auteur nous a créés, il a fait Long John Silver, aussi et Hans et Pew et George Mary, même s'il n'est guère plus qu'un nom, celui-là, il a fait Flint, du moins ce qu'il a bien voulu en faire, et il a organisé cette mutinerie qui nous a qui nous tracasse tant, et il a fait exécuter Tom Redruth, et, et si c'est ça un auteur, alors autant Pew. Ne crois-tu pas que nous aurons une autre vie Demanda Smollett, crois-tu que tout s'arrête à ces quelques feuillets À vrai dire, je n'en sais trop rien, dit Silver, et de toute façon, je ne vois pas le rapport. Mais ce que je sais, c'est que s'il y a un auteur, eh bien, son personnage préféré, c'est moi. Il me traite mille fois mieux que vous, mille fois, et comme il aime me mettre en scène. Je suis presque toujours sur le pont béquille, et tout alors qu'il vous laisse vous morfondre dans la cale où personne ne peut vous voir. Nul voudrait d'ailleurs. Foi de Silver, si cet auteur existe, mille tonnerres, il est de mon côté. Pas d'erreur. Ah, euh, je vois qu'il t'a lâché la bride, dit le capitaine, mais ça n'y changera rien. Je connais les conventions de l'auteur. Il me respecte, j'en suis certain. Quand nous avons eu cette discussion devant le fortin, toi et moi, de quel côté crois-tu qu'il était euh, Il ne me respecte pas, s'écria Silver. Vous auriez dû m'entendre mater la révolte de George Merry. Morgan et toutes leurs clique pas plus tard qu'au dernier chapitre, ah, vous auriez entendu quelque chose là, vous auriez vu ce que l'auteur pense de moi. Mais euh, dites-moi un peu, vous considérez-vous donc comme un parfait honnête homme ?« Dieu m'en garde, dit gravement le capitaine Smollett. Je suis un homme qui cherche à faire son devoir et il manque euh, plus souvent qu'à son tour. Je ne suis pas très populaire au pays, Silver, j'en ai peur, conclut-il en soupirant. » Et votre autre vie alors demanda Silver. Serez-vous toujours le même capitaine Smollett, pas très populaire au pays, comme vous dites S'il en est ainsi, il va nous falloir recommencer l'île au trésor, par tous les diables. Et je serai Long John Silver, et Pew sera Pew, et je parie que nous aurons une nouvelle mutinerie. Ou bien serez-vous un autre Dans ce cas, qu'est-ce que vous y gagnerez Et moi, qu'est-ce que j'y perdrai Écoute, Silver, reprit le capitaine, je ne sais même pas comment cette histoire en est arrivée là, et je ne vois pas comment il se fait que toi et moi, qui n'existons même pas, nous sommes mis à bavarder et à fumer nos pipes comme si tout cela était réel. Qui suis-je pour claironner ainsi mes opinions Mais je sais que l'auteur est du côté du bien. Il le dit, ça coule de sa plume quand il écrit, et c'est tout ce que je désire savoir. Pour le reste, advienne que pourra. Il est vrai qu'il paraissait être contre Georges Merry, reconnu pensivement Silver, mais ajouta-t-il, le visage soudain rayonnant, c'est que Georges n'est, dans le meilleur des cas, rien de plus qu'un nom. Son don, pourtant, le fond, pour une fois. Quel est ce bien dont vous parlez J'ai organisé une mutinerie et je suis un gentilhomme de fortune, soit, mais à ce qu'on dit, vous n'êtes pas un saint non plus. Je suis un homme de bonne compagnie, vous, vous ne l'êtes guère, selon votre propre dire, et chacun sait que vous aimez faire pleuvoir des corvées. Alors, dites-moi, dites-le-moi un peu, où est le bien Où est le mal Nous voici pris vent devant, pas d'erreur. Aucun de nous n'est parfait, répondit le capitaine, tout chrétien le sait. Tout ce que je peux dire est que j'essaie de faire mon devoir. S'il en est de même pour toi, je ne te félicite pas de ton succès. Vous faites le juge, à présent, Grayan Silver. Je serai volontiers ton juge et ton bourreau sans aucune forme de procès, repartit le capitaine, mais laissons cela. Je ne sais si ce que je dis est de la bonne théologie, mais c'est au moins une marque de bon sens. Ce qui est bon doit aussi être utile, enfin à peu près. Je ne prétends pas être un penseur. Qu'adviendrait il d'une histoire dépourvue de gens honnêtes? Bah parlons en, répliqua Silver. Qu'adviendrait il d'une histoire sans méchant? Je vous le demande. C'est bien mon idée aussi, dit le capitaine Smollett. L'auteur veut une histoire, et pour en avoir une, pour que le docteur, par exemple, puisse montrer ce dont il est capable, il lui faut y introduire des, des individus comme toi et Hans. Mais il est du bon côté, et gare à toi, tu n'es pas arrivé au bout de l'histoire. Il y aura encore du vilain pour toi. Vous pariez demanda à Silver. Et qu'est-ce que ça me fait s'il si n'y en a pas rétorqua le capitaine. Je suis satisfait d'être Alexander Smollett, aussi mauvais soit-il, et je remercie le ciel à genoux de n'être pas Silver. Mais attention, je vois que l'encrier va s'ouvrir, tout le monde à son poste. En effet, l'auteur commençait précisément à écrire les mots chapitre 23. Voilà, euh, je souhaitais terminer par ces, par ces fables, euh, qui sont euh, les textes les plus étranges de Robert Louis Stevenson. Euh, nous reviendrons sur ces fables euh, dans une prochaine émission consacrée à Stevenson. Merci, euh, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine.